on va avoir une restauration d'intestin qui peut être plus rapide. Moins de contraintes, moins de détérioration, plus de temps de repos, de récupération. On va avoir une amélioration en termes de la vitesse de cicatrisation de l'intestin, de la régénération de l'intestin. On va aussi éviter d'entretenir une flore intestinale pro-inflammatoire. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de l'intestin, et plus précisément de la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire, notre corps produit ses propres anticorps qui vont être dirigés contre un organe, en l'occurrence l'intestin grêle. Dans cette maladie cœliaque, les anticorps s'attaquent à l'intestin grêle et provoquent son altération, une détérioration de l'intestin grêle. Chez une personne normale, on peut constater qu'il y a une différence très significative entre son intestin et celui qu'on peut rencontrer chez une personne atteinte de la maladie cœliaque. Comme vous pouvez le voir, les villosités de l'intestin, ces replis très nombreux qui permettent d'augmenter la surface de contact, disparaissent. Il n'y en a presque plus et ils sont très amoindris lorsqu'ils sont encore présents. Cela signifie que l'on peut passer d'un intestin qui couvre une superficie d'environ 350 à 400 mètres carrés à un intestin dont la superficie va être divisée par 5, par 10, par 15. Et à ce moment-là, nous perdons dans notre capacité d'absorption des nutriments. Ce qui fait que dans la maladie cœliaque, on va avoir des carences qui vont s'installer. Mais comme l'intestin est également altéré, agressé, on va aussi avoir ce que l'on appelle une porosité intestinale excessive, avec plus de passages de substances indésirables au travers de la muqueuse de l'intestin. L'intestin ne remplit plus son rôle de filtre protecteur et donc de nombreuses substances indésirables passent et arrivent dans le sang, arrivent dans le corps. Et ces substances vont devoir être prises en charge par le foie en priorité. Et cela peut aboutir à des surcharges diverses et variées qui peuvent atteindre différents organes du corps. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est localisé au niveau de l'intestin, des douleurs, des gènes, des perturbations du transit, de la diarrhée ou encore de la constipation. Donc nous pouvons avoir des symptômes localisés sur l'intestin. Nous pouvons avoir des symptômes qui sont issus de la conséquence de carences nutritionnelles, comme l'anémie par exemple, avec un déficit d'absorption du fer. Et nous pouvons avoir des symptômes qui vont être liés à un état de surcharge dans le corps, à un état d'inflammation. Donc les symptômes peuvent être très variables. Mais s'il y a une chose qui revient systématiquement, c'est que l'intestin grêle va être agressé, altéré, partiellement détruit, et que l'on va avoir la présence d'anticorps dans le cadre d'une maladie auto-immune, donc dirigée contre l'intestin. C'est d'ailleurs ce qui différencie fondamentalement ce que l'on appelle la maladie cœliaque, qui est encore appelée l'intolérance au gluten, la véritable intolérance au gluten, des sensibilités au gluten. Beaucoup de personnes se disent intolérantes au gluten, mais en fait sont sensibles au gluten. Il y a différents degrés de sensibilité. On peut être faiblement sensible ou très réactif, très fortement sensible au gluten. Mais dans ces situations-là, même si on peut avoir un intestin qui est agressé, une atrophie au niveau des villosités de l'intestin avec des carences, un intestin excessivement perméable, avec un encrassement prématuré, trop de substances qui passent la barrière intestinale. Il n'y a pas cette réponse auto-immune. Donc il y a bien une distinction, ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui sont atteintes de maladies cœliaques, on considère que c'est à peu près 1% de la population en France et en Europe. Alors que les personnes qui ont une sensibilité plus ou moins forte au gluten, concrètement, c'est plutôt 20 à 30% de la population. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Dans la maladie cœliaque, on n'y coupe pas, il faut supprimer le gluten. Et il faut vraiment le supprimer. Vous allez me dire, oui, mais avec une sensibilité au gluten, il faut le supprimer aussi. Ce n'est pas toujours aussi évident. Je vois régulièrement des personnes qui me disent, moi, je suis intolérante au gluten. Donc, on va dire, elles sont sensibles au gluten le plus souvent. Et
elles me disent ben, j'ai enlevé le gluten ou j'arrive pas à enlever le gluten et j'ai pas forcément d'amélioration. Certaines en ont, mais d'autres pas forcément. En réorganisant l'alimentation et en favorisant la digestion et tout ce qui va se passer dans le ventre, on peut voir des personnes qui sont sensibles au gluten et qui se disent intolérantes pouvoir consommer du gluten sans avoir de réaction. Ce qui montre bien que ce n'est pas le problème du gluten, c'est un problème de digestion. Quand on est avec un malade cœliaque, c'est totalement différent. Quelques dizaines de milligrammes de gluten ou quelques centaines de milligrammes de gluten sont amplement suffisants pour enclencher une crise et pour entretenir la problématique immunitaire. Donc c'est un profil qui est totalement différent. Même si on va pouvoir faire un certain nombre de choses qui sont similaires dans les deux cas, le profil est très différent. Il faudra donc obligatoirement supprimer ce gluten. Maintenant, la grande question que je reçois souvent, c'est « Ouais, mais ce gluten, est-ce qu'il faut le supprimer à vie ?» Et puis l'autre grande question, est-ce qu'il est possible de guérir ? Alors le gluten, est-ce qu'il faut le supprimer à vie ? D'une manière classique, on va vous dire oui. Moi, je vous dirais « ça dépend ». Ça dépend parce qu'en fait, on a pu remarquer que dans un certain nombre de maladies auto-immunes, si on améliore suffisamment le terrain, on peut voir la réactivité auto-immune s'atténuer et disparaître. Et que si on est en contact ponctuellement avec l'aliment en question, on ne va pas forcément avoir une réaction auto-immune systématiquement qui apparaît de manière amplifiée. Maintenant, il faut être très clair. Si on améliore le terrain, et qu'on reprend par la suite la même alimentation que celle qui avait créé ce terrain défavorable et propice au développement de la maladie cœliaque va se réinstaller. C'est inévitable. Ça veut dire qu'il faut agir d'une manière à améliorer le terrain, et si on en consomme de temps en temps, de ce fameux gluten, ça peut éventuellement passer. Ce n'est pas le cas chez tout le monde, mais ça peut fonctionner. Et c'est intéressant parce que toutes les maladies auto-immunes ne répondent pas forcément à des changements alimentaires, mais il y en a un certain nombre qui répondent très bien. Et la maladie cœliaque en fait partie. Mais pour cela, une chose est nécessaire, c'est qu'il va falloir calmer la réactivité du corps au niveau du système immunitaire. Pas simplement enlever le gluten, travailler sur le terrain. Il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Le gluten n'est pas la cause de la maladie. Le gluten, par sa présence, par sa mauvaise digestion, par l'état dans lequel se trouve le corps, par l'état de surmenage dans lequel se trouve le corps, va avoir une interaction avec le corps qui va provoquer cette fameuse maladie auto-immune. Et c'est là le gluten le problème. C'est sa mauvaise digestion et c'est l'état dans lequel se trouve le corps. La deuxième question, est-ce qu'on peut en guérir ? Alors je vais dire, tout dépend ce qu'on appelle en guérir. Si en guérir, c'est voir son intestin se restaurer, oui. Voir son intestin se restaurer, c'est tout à fait possible. On peut constater que des personnes qui suppriment le gluten, qui ont un régime alimentaire assez strict à ce niveau-là, peuvent restaurer leur intestin en 12 à 18 mois. Et souvent, les personnes qui ont plus de difficultés sont moins rigoureuses au niveau de la suppression du gluten. Mais moi, je vous dirais que c'est un peu plus complexe que ça. Il est clair que le gluten va jouer un rôle important, mais il y a aussi la flore intestinale, ce qui se passe dans notre ventre. Toute cette diversité microbienne va jouer un rôle important. Et on peut voir que dans de nombreuses maladies chroniques, des maladies qui touchent entre autres les intestins, selon l'état de la flore intestinale, on a plus de prédisposition à rechuter, à ce que la maladie se redéclare quand il y a eu une amélioration conséquente. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas simplement agir sur le gluten, mais il faut agir aussi sur ce qui va conditionner l'état de notre flore intestinale. Pour faire en sorte que des bactéries qui vont avoir un rôle plutôt anti-inflammatoire, des bactéries qui vont protéger la muqueuse de l'intestin, des bactéries qui vont normaliser notre relation au niveau immunitaire, pour les temporiser, eh bien, soient plus présentes. Et à l'inverse, que les bactéries qui exacerbent ces réactions problématiques, elles soient moins présentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose, souvent, on va regarder les aliments. On supprime le gluten. Alors moi, je vais vous dire, oui, on supprime le gluten, mais on peut aussi réduire la présence de certains aliments. On peut faire attention aux produits laitiers. On peut réduire aussi la présence, d'une manière globale, des graines.
C'est-à-dire que si vous aviez tendance à manger du pain le matin, des pâtes le midi et du riz le soir ou une pizza le soir, ça peut poser des problèmes, plus un peu des gâteaux, des biscuits dans la journée. Ça peut poser des problèmes parce qu'il y a cette récurrence qui fait que le corps va avoir du mal à supporter les différents cycles digestifs. Donc là, on peut réduire la présence de ces graines. Même si on choisit du sans gluten, si on garde autant de prises alimentaires à base de graines, ça peut créer des surcharges. Donc dans le quotidien, on peut choisir les aliments pour réduire cette consommation de graines. Maintenant, je vous ai parlé de la digestion, je vous ai parlé de l'intestin. L'intestin, si on veut améliorer le terrain et récupérer plus vite, il va falloir le soulager. Pour soulager l'intestin, il faut mieux digérer. C'est inévitable. Une meilleure digestion, ça passe par la mastication. Ça passe aussi par les quantités consommées. Quantité sur un repas, quantité sur l'ensemble de la journée. Et puis ça passe aussi, une meilleure digestion, par les mélanges alimentaires. Qu'est-ce que vous allez demander à votre corps comme travail digestif pour digérer tel repas? Il y a des repas qui demandent un gros travail digestif, qui sont très compliqués à digérer. Et puis il y a des repas qui sont beaucoup plus faciles à digérer. Je parle souvent de la notion de combinaison alimentaire. En gros, le principe, c'est d'éviter de mélanger les aliments qui se perturbent au niveau digestif. Par exemple, vous consommez du sucré en fin de repas, quelle que soit la forme de sucré, vous allez favoriser une digestion plus compliquée. Vous consommez un soda ou un jus de fruit pendant le repas, vous allez créer une digestion beaucoup plus compliquée. Quels que soient les aliments consommés. Et si on est sur des produits comme le gluten, par exemple, des aliments à base de gluten plutôt, ça va être très compliqué puisque ce sont déjà des aliments difficiles à digérer. Donc on va jouer sur la notion de combinaison alimentaire plus favorable pour soulager le système digestif. Ce premier soulagement, il va permettre d'avoir moins de contraintes, moins de phénomènes d'agression sur la muqueuse intestinale, qui a déjà été allégée par l'arrêt du gluten. À ce moment-là, on va avoir une restauration d'intestin qui peut être plus rapide. Moins de contraintes, moins de détérioration, plus de temps de repos, de récupération. On va avoir une amélioration en termes de la vitesse de cicatrisation de l'intestin, de la régénération de l'intestin. On va aussi éviter d'entretenir une flore intestinale pro-inflammatoire, une flore intestinale trop perturbée. On va moins l'embêter, on va lui apporter plus d'éléments qui vont la nourrir, moins d'aliments mal digérés qui vont nourrir une flore intestinale inflammatoire, on va créer aussi un terrain plus favorable. Et puis comme l'intestin est déjà dans un état de porosité excessive, en améliorant la digestion, on va réduire la quantité de fragments alimentaires mal digérés qui peuvent passer la barrière intestinale et qui vont surcharger le foie et d'autres organes. Donc on a tout intérêt à agir sur la digestion. La digestion, c'est bien, ça va aider au quotidien, mais on peut faire encore mieux. Faire encore mieux, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer sur l'allègement alimentaire. L'allègement alimentaire, ça signifie qu'on va réduire les quantités, on mange moins. On mange moins sur chaque repas, on mange moins sur la journée, on fait du jeûne intermittent. Ce sont des moyens de soulager le système digestif encore plus et de le laisser récupérer encore plus. On peut aussi supprimer pendant plusieurs jours toutes les graines. Vous faites une cure pendant une semaine ou deux sans consommer de graines. Si vous avez du mal à l'envisager au quotidien parce que c'est difficile, là on peut l'envisager sous la forme d'une cure. On réduit fortement, ça va aider le corps à récupérer beaucoup plus vite. Puis on peut aller plus loin, une cure avec des fruits et des légumes, une monodiète, les jus et même, lorsque c'est possible, le jeûne. Bien évidemment, on va y aller progressivement, on ne va pas forcément se lancer dans un jeûne du jour au lendemain. On va y aller en douceur, particulièrement si votre corps est déjà en état de déminéralisation, ce qui peut être tout à fait le cas dans une situation de maladie cœliaque. Donc on va y aller étape par étape pour préparer le corps à ce travail de plus en plus en profondeur. Quand je parle de gagner du temps, si vous enlevez seulement le gluten, vous retirez uniquement le gluten de votre alimentation, mais vous ne changez rien à votre alimentation, en dehors de ça, il faudra compter 12 à 18 mois, on va dire, pour récupérer au niveau de l'état de l'intestin. Récupérer au niveau de l'état de l'intestin ne veut pas dire récupérer au niveau de la flore intestinale, récupérer au niveau de la réactivité de votre système immunitaire.
d'avoir les villosités au niveau de l'intestin qui vont repousser, se régénérer, redevenir à peu près normal. Mais on voit certaines personnes qui font déjà des efforts, qui essayent des fois de supprimer le gluten et même qui arrivent à le supprimer et qui, plusieurs années après, ont toujours un intestin avec des villosités altérées. Ça veut dire qu'il est parfois nécessaire d'aller plus loin. Alors si vous arrivez déjà à faire ce que je vous ai conseillé, supprimer le gluten, soulager la digestion, réduire l'alimentation, on va accélérer considérablement les choses. Et si on se dit il faut 12 à 18 mois pour avoir une régénération au niveau de l'intestin, ben là on va peut-être réduire encore par 2, 3, 4 cette durée. Ça va dépendre de ce qu'on peut mettre en place. Et puis si vous avez des difficultés à avoir une alimentation stricte sans gluten, le fait de travailler sur les autres axes va aussi aider votre corps à récupérer. Et si cette aide est suffisante, si ce soulagement est suffisant, on va peut-être pouvoir aussi atténuer ces réactions immunitaires. C'est-à-dire qu'autant on peut enlever les réactions immunitaires et avoir toujours un intestin perturbé, un intestin altéré qui a du mal à récupérer, même plusieurs années après, mais on pourrait avoir le gluten qui reste encore présent et l'alimentation, tout le travail qu'on va faire sur l'intestin va réduire petit à petit la réactivité du corps au gluten. Donc même s'il est encore présent en faible quantité, hein, j'entends, on peut avoir aussi une amélioration. C'est plus compliqué de l'envisager comme ça parce qu'il y a déjà un processus auto-immune qui est en route, mais on peut avoir une amélioration aussi dans ce sens. Donc c'est important de pouvoir prendre soin de son ventre, prendre soin de sa digestion et prendre soin de son intestin. Et pour prendre soin de son intestin, c'est important parce que les cures que je vous propose ici, elles vont aussi aider à réduire les aliments mal digérés qui vont entretenir une flore intestinale défavorable. Ces aliments, cette alimentation, va aussi fournir plus de fibres prébiotiques qui vont servir de nourriture à une flore favorable. Donc ça, c'est important. Bien évidemment, il faudra faire attention à la capacité digestive de chacun, à la sensibilité intestinale de chacun pour ne pas consommer trop de fruits, trop de légumes d'un coup. De faire attention également aux fibres alimentaires qui sont insolubles, qui peuvent frotter sur l'intestin et créer aussi des réactions désagréables. Donc on va faire attention à la peau des fruits et des légumes. On peut faire attention si on consomme encore des grains entier, de faire attention à être plutôt sur du semi-complet que sur du complet. Et puis on peut aussi aller vers des aliments qui sont moins fibreux. C'est-à-dire il y a moins de travail, d'efforts à faire pour le corps pour récupérer les micronutriments. Puisqu'on est quand même dans un contexte avec la maladie cœliaque, il faut le rappeler, de difficultés d'absorption intestinale au niveau des nutriments. Donc on peut aller vers des jus de légumes, on peut aller vers des graines germées, ce sont des choses qui sont intéressantes. Et puis dernière chose, est-ce qu'il faut se supplémenter? Alors la supplémentation en cas de maladie cœliaque, on peut l'envisager. Les probiotiques, est-ce qu'il faut en prendre? On peut l'envisager. Mais encore une fois, il faut y aller avec parcimonie pour voir comment le corps réagit. Se jeter dans les probiotiques n'est pas forcément la solution. Je préfère travailler sur les prébiotiques le plus souvent. Mais les probiotiques peuvent de temps en temps servir. Et puis ce qui est intéressant et ce qui est important, si on parle de supplémentation, ce sont les vitamines, les minéraux, les éléments qui servent à notre corps pour qu'il puisse fonctionner correctement et qui ont plus de mal à être absorbés au niveau de l'intestin. Et ces éléments-là, on peut les apporter de manière complémentaire, soit sous forme d'aliments, par les graines germées, du plasma de Quinton, de la spiruline par exemple, mais également, ça peut être sous la forme d'autres produits compléments. Ce qui est important, c'est de savoir que si vous êtes en état de maladie cœliaque et que votre intestin a une faible capacité d'absorption, ce n'est pas en mettant 3, 4, 5 fois plus de nutriments ultra concentrés qu'on va forcément en avoir 4 ou 5 fois plus dans le corps. On en aura 3 ou 4 fois plus dans l'alimentation, dans l'apport, mais une fois absorbé au niveau de l'intestin, on aura peut-être 10% de plus, 20% de plus. Donc il faut simplement imaginer que comme l'intestin est dans un état de fragilité, la priorité avant de se supplémenter avec des fortes doses de tout un tas de compléments, c'est d'abord de commencer à aider l'intestin à récupérer. Si l'intestin commence à récupérer, à aller mieux, oui, après on peut éventuellement faire des supplémentations. On peut l'envisager. Ce n'est pas indispensable, mais on peut l'envisager.
particulièrement si la problématique de l'intestin altéré est présente depuis des années. Si cela fait des années, ça veut dire qu'il y a un problème de nutrition, d'absorption, donc de nutrition cellulaire qui est présent depuis des années. Et à ce moment-là, oui, ça peut être pertinent pour essayer de récupérer plus rapidement. Mais comme je vous l'ai dit, et je terminerai là-dessus, cette notion de récupération plus rapide, elle peut se faire aussi par le biais de sécure. Puisque par le biais de sécure, on va moins demander de travail digestif, le corps aura plus de facilité pour absorber. Et puis, comme on laisse le corps plus tranquille, il va aussi se restaurer plus rapidement. Ça veut dire qu'il va pouvoir faire une amélioration en l'espace d'une semaine ou 15 jours qu'il aurait fait en temps normal juste avec l'alimentation du quotidien en 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on va accélérer la récupération et ensuite l'amélioration de l'absorption va suivre naturellement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous permet d'y voir plus clair sur la maladie cœliaque, cette maladie de l'intestin grêle, que vous pouvez maintenant envisager de la prendre en main plus sereinement, de reprendre les commandes un peu plus facilement. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous par l'alimentation et l'hygiène de vie. À bientôt !